Ah, le turfu, ce moment idéal, cette période où on aura des voitures volantes, cette période où tout le monde sera heureux, il y aura de la nourriture pour tout le monde, et puis des loisirs à profusion, puisqu'on n'aura plus que ça à faire, le travail sera devenu totalement inutile. Je suis pressé qu'on soit le turfu. On se disait ça quand déjà, les gars? Eh ben on se disait ça en 79 déjà, et cette demoiselle était assez aguichante pour vous inviter à essayer ce jeu, Astro Fighter. Un développement des loisirs du futur en 1979 donc, qui laissait présager le meilleur. Mais en parler, c'est pas mal vous savez, et jouer c'est beaucoup mieux. On va lancer l'animal. Je laisse la musique, comme ça si j'ai un fail, ça se passera bien quand même. C'est que ça gère maintenant. Je vais bientôt faire des mix audio sur des jeux vidéo, je pense. Donc voilà notre animal, Astro Fighter. Ils sont pas trop cassés pour le titre, mais regardez-moi cette typo tout à fait travaillée, pour peu que vous soyez Japanese compatible. Et si on attend que monsieur dégomme toutes les lettres, je crois qu'on n'est pas arrivé pour la démo. Ceci dit, je ne sais pas où on met les pieds, donc je vais être comme vous, je suis curieux de voir. Je sais qu'il y a déjà 1, 2, 3, 4 à 5 types d'ennemis différents. Je me doute bien qu'il y a une jauge de carburant, comme ça même le meilleur des joueurs sera obligé de remettre des pièces. Ça se mouillait pas trop à l'époque, mais regardez, regardez ce qui se passe. Oui, le fond défile. Alors remis dans l'époque, c'est quand même assez innovant. Donc là, on a un processeur qui doit être overclocké, je pense. Pour arriver à gérer les ennemis, les tirs, le déplacement du joueur, les tirs du joueur et le fond. Comment ça, j'en fais beaucoup trop. Allez, on joue. Alors, je sais pas si la musique, s'il y avait du son, si. Vous n'avez rien. Bah, j'ai rien moi non plus. Donc, j'ignore si le jeu, bah, du coup, pouvait pas profiter de son parce que c'était tellement focus. À faire tout ce spectacle lumière et lumière sur l'écran. Alors mes tirs passent des fois à travers des trucs, c'est vraiment au pixel près, c'est trop trop rigolo. Ça fait vraiment poilé. Mais j'essaye. Et ma jauge qui descend inéluctablement, alors que je joue comme un Godmaster of the Death. Oui, alors, vous moquez pas de ces sprites de vaisseaux ennemis, puisque vous n'avez jamais eu donc un vidéopack. Alors, j'explique pour les gens qui n'étaient pas nés avant 2000 ou qui étaient encore fraîchement démoulés. Le vidéopack, c'est la première console européenne, grosso merdo, qu'on a eue entre les mains, quoi. Et donc, qui disait première console, il y avait l'Atari hein, de notre côté, le VCS, mais. Atari, c'était la machine de riche, quoi. On avait plus un vidéopack hein, dans l'Hexagone. Et le vidéopack, bah, ça avait ces genres d'ennemis verts qu'on a vus. À part qu'ils étaient encore avec moins de pixels pour les définir. Et que c'était censé être le vaisseau du jeu. Et comme par hasard, quand on achetait un autre jeu, mais que c'était un jeu de tir, il y avait de fortes probabilités que ce même sprite soit présent dedans. Et c'était chiant, les jeux de sur vidéopack. Je peux le dire, ça vient du fond du cœur. Jamais, jamais j'ai autant déprimé sur des jeux vidéopack. Surtout quand je songeais au voisin qui avait un Atari. Et le vidéopack, j'en avais même pas. C'était chez quelqu'un que j'y jouais. Vie de merde. Je m'égare, je raconte ma vie. Mais c'est pour passer le temps parce que ce jeu est aussi passionnant que ma vie en fait. C'était pas très gentil ça. Alors je sais pas si c'est un intérêt à part faire du poing, de flinguer les. Parce qu'il faut vraiment me viser au milieu, flinguer les boules de feu qui descendent. Ah, ah, je vais pas loller là, je vais pas loller. Ah, il faut que je flingue tout, vraiment tout. On peut changer d'ennemi, on peut me remettre les ennemis vidéopack. J'étais en train de dire des trucs intéressants sur le. Bon d'accord. Tant pis.
Pour le plaisir, celui-là. Celui-là aussi. Et là, on a des fantômes. J'ai du mal à exprimer l'euphorie sur ce jeu, puisque je n'en ai pas. Hein. Voilà. C'est dit, c'est fait. Je peux pas être euphorique sur ces jeux-là. Ça fait partie des jeux que j'ai mangé ses cousins, en vrai, et j'en ai jamais eu ni bonheur ni fierté. Les choses sont dites. Ceci dit, un jour, nous streamons le jeu qui m'a émerveillé sur une console. Et je vous dis pas ce que c'est. Oui, il faut savoir tenir le public en haleine. Je suis tombé en panne d'essence, les gars. Faudrait me shooter. Merci. Oh non, il reste encore un vaisseau. Alors, mon vaisseau a vachement avancé dans l'écran, je trouve, étrangement. Serais-je pour rajouter une certaine difficulté? Oh, merci, le game over m'a sauvé. Et donc pendant que Morrissey s'éloigne sur sa mobylette, eh bien moi je vais vous dire adieu, puisque je crois qu'on a fait le tour de ce titre qui était, ma foi, intéressant, mais pas à se rouler par terre. Astro Fighter, on retiendra avant tout et surtout son fly. Allez, stream habituel, playlist généraliste, playlist des shmups et le bouton d'abo. À bientôt les amanches.